aujourd'hui, bah, j'ai 32 ans, donc on va dire c'est bientôt fini. Et comme clap de fin, si ça doit être la Suisse, je pense que c'est quand même pas mal parce qu'ici on vit bien. Et c'est vrai que après tous ces chamboulements qui s'est passé dans ma vie, il y en a qui étaient prévus, d'autres non. Aujourd'hui, voilà, dans la vie, on a ce qu'on mérite. Donc moi, aujourd'hui, je suis très heureux d'être ici. L'année dernière, ils avaient un joueur qui arrivait à faire la différence pas mal de fois. C'était Brelem Bolo qui est parti à Schalke 04. Je pense que cette année, ils ont un collectif vraiment qui est bon. Devant, ouais, ils peuvent être dangereux, mais c'est vraiment sur le collectif. Je pense qu'en Paris, ça va être compliqué, même si dans leur stade, ils sont quand même difficiles à bouger. C'est une équipe qui joue au foot. Donc je pense que contre Paris, ils vont essayer de jouer. J'ai 3-1 pour le PSG, mon pronostic déjà. Mais voilà, le FC Bâle, il faut respecter cette équipe. Et je pense que c'est ce que Paris fera. Donc avec leur nouveau coach, il n'y aura pas de surestimation. Donc ça va passer. Le problème de Bâle aujourd'hui, c'est qu'elle est tombée dans un groupe où les équipes elles jouent au foot. Si ça avait été une équipe, un groupe où les équipes allaient se battre, c'était plus des duels physiques. Là, c'est Paris et Arsenal qui, pour moi en tout cas, font partie des 5 meilleures équipes en Europe à développer un beau football. Pour gagner, il va falloir jouer mieux que Paris et Arsenal, donc ça demande énormément. Le foot, tout est possible, donc c'est ce qui fait la beauté de ce sport. Donc on verra bien, en tout cas, pour connaître un peu l'orgueil des Balois, je pense qu'ils vont, jusqu'à la fin, vont y arracher. Franchement top, c'est un super stade et l'atmosphère est vraiment un peu une ambiance un peu à l'anglaise. Le FC Bâle en tout cas, ils ont des fidèles qui sont là tous les week-ends à chanter pour leur équipe. Donc contre Paris en plus, avec tous les stars, le stade il sera plein. Mais c'est pas hostile, donc ce sera un beau match de foot avec un beau public. Bah après l'année dernière, c'est vrai que moi, pour moi, ça aurait dû être la bonne année. Malheureusement, il y a eu pas mal de blessés. Parce que si aujourd'hui, ils ont tous leurs joueurs aptes et sans Zlatan, ils ont plus de chances de gagner. Comme l'année dernière, il y avait Zlatan, mais autour, les mecs étaient blessés. C'est compliqué à dire parce qu'il y a quand même de grosses écuries. Mais après, c'est une question de confiance. Je pense que si les joueurs qui composent l'équipe aujourd'hui ont une confiance, atteint leur niveau de confiance nécessaire pour être performants, ouais, je pense qu'ils peuvent y arriver.